Et salut tout le monde, c'est Lucas Luc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo explication. Un petit peu d'explication parce que je vais faire beaucoup de changements sur la chaîne. Donc voilà, j'avais envie de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on va commencer pas par parler de ça, ça sera pour un petit peu après. On va commencer par parler de l'inactivité de la chaîne. Enfin, en gros, je suis pas inactif sur la chaîne, mais je fais un peu moins de vidéos. Parce que bah, je fais pas du tout mes vues en fait. Certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais je fais pas du tout mes vues. Je fais 30 vues. Je fais 30 vues sur une vidéo qui a été postée il y a 2-3 semaines. Ça va pas quoi. Donc, du coup, je vais faire un très 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 gros truc. Je vais essayer de trouver comment on fait pour cacher son nombre d'abonnés et je vais le faire. Bon, si je peux pas le faire, je le cacherai pas, hein, mais voilà. Et je vais supprimer toutes mes anciennes vidéos, sauf quelques-unes que j'aurais choisi. De pas supprimer parce que je les aime bien. Et maintenant je vais avoir un rythme un peu moins régulier. Mais je vais essayer de vous faire des vidéos de plus grande qualité. Mais le rythme sera moins régulier, c'est sûr. Mais en fait, il faut que j'essaie de retrouver mes vues perdues et tout. C'est pour ça que je vais supprimer le nombre d'abonnés. Enfin, vous verrez bien. Donc après, j'ai une deuxième grande chose à vous annoncer. Bah pour la sortie de ce truc, pour m'excuser, parce qu'en gros, il y a très longtemps, j'avais sorti un pack et je l'avais jamais sorti sur Mediafire, donc bah, il n'était pas disponible pour personne. Et bah, je suis en train de vous en refaire un. Et là, j'ai tous les items à côté de moi. Là, c'est tous les items que j'ai déjà refait. Bon, les œufs, je vais les refaire encore, hein, parce que là, ils sont pas super. Donc, j'ai fait un pack un peu futur pack. Je l'ai appelé le futur pack parce que les épées et tout, je trouve ça fait un petit peu futuriste. C'est un petit peu dans le thème du bleu-violet. Je trouve ça assez joli et tout. Et puis donc je vais vous montrer les épées. Hop, 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 hop. Donc l'épée en diams où j'ai mis pas mal de temps à chercher le design et tout. C'est sur l'épée en diams que j'ai commencé. Hein, c'est là où j'ai mis le temps à chercher le design. Donc je trouve qu'elle est vraiment jolie. Elle fait vraiment futuriste et tout. C'est vraiment bionique, extraterrestre, tout ça. Donc ensuite l'épée en pierre, en pierre en bois, voilà, toute marron, avec des textures assez normales. L'épée en or, voilà, comme ça. L'épée en pierre avec un léger dégradé, ouais, un très 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 léger dégradé. Très léger. Et enfin l'épée en fer qui est très très claire, voilà, que j'aime beaucoup. Donc ensuite ce que j'ai fait, j'ai aussi refait l'arc. J'ai pris un arc d'un texture pack et j'ai changé sa couleur, la flèche aussi. Donc voilà, ça fait comme ça quand on tire et tout. Je trouve que c'est assez stylé. C'est vraiment tout moi qui ai fait à la main et tout. Je suis assez content de moi là. Je me suis pris une après-midi et tout, j'ai bossé dessus. Ensuite nous avons les seaux, tout ce qui est seaux et tout. Je changerai peut-être un petit peu les seaux parce que je trouve qu'ils sont pas super. Bon, et puis ça peut aller, hein. L'eau aussi, l'eau, je vais la garder comme ça, elle est plutôt bien. Là aussi, c'est un peu basique, mais c'est pas grave. Et le lait, voilà. Comme ça, vous voyez tout. Hop. Ensuite, nous avons la canne à pêche pour les cannes à pêcheux. Moi, je l'utilise un peu. Je commence à me mettre un petit peu à la canne à pêche en ce moment. Le fil est un petit peu raide. Je verrai bien si je réglerai ça, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr de régler ça. On verra bien tout ça. Ensuite les œufs que j'ai dit que je changerais parce qu'ils sont vraiment bizarres. Bon après je les laisserai peut-être comme ça, hein, qui sait. Les boules de neige que j'ai changé la couleur pour que ce soit un petit peu plus violet. Voilà. Je trouve que ça rend plutôt bien. Hop. Ensuite nous avons les soupes. À peu près faire pour le PVP soupe. Hein. J'ai essayé de faire très foncé quand il n'y avait pas de soupe. Et puis avec les vraies textures des soupes quand il y a de la soupe dedans. Voilà, c'est un petit peu pour les soupes. Ensuite, le flint et le briquet. Voilà, le flint et le briquet qui sont pareils. Hein. Le feu qui est violet aussi. Le feu, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'était déjà dans le texture pack que j'ai pris. Tous les blocs et tout, ils sont pris du default fade. C'est un pack UHC, donc je pense que je vais le mettre en pack UHC. C'est un low fire aussi, hein, donc c'est parfait quand vous êtes en PvP. Bon, là je vois pas, mais on sent pas les couilles. Voilà, ensuite les popos vides, c'est aussi un petit peu dans tout ce qui est dans le bleu. Après, hop, 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 hop. Je vais juste remettre mes particules. Non, pas ça. Les particules.
Animation. Toutes. Voilà. Donc on va prendre une popo de heal. Voilà, ça ressemble un peu à ça, les popos à boire. Ensuite, les popos de dégâts. Ouais. Les popos de heal. Et puis les popos lambda, vitesse et tout. Voilà, c'est tout pour les popos. Ensuite, on a les pommes. Donc quand c'est une pomme normale, c'est une pomme rouge qui est entourée de noir. J'ai mis les contours noirs parce que ça rend plutôt bien. Et quand c'est une pomme d'or, bah voilà, elle est plus bleu-violette. Ça ressemble un peu au texture pack que Byslide utilisait à un moment. Mais je suis pas sûr. On dirait plus qu'elles sont violettes dans l'inventaire en fait, c'est rigolo. Donc voilà, c'est tout pour pour ce qui est des annonces. Je vais encore le continuer un petit peu le texture pack quand hein, il n'est pas fini là. Mais c'était tout pour les annonces. Donc la chaîne, je vais supprimer plein de vidéos qu'on avait faites il y a très longtemps. Enfin, les supprimer, je les supprime pas entièrement. Hein. Si jamais un jour je vais en sortir, je les ressortirai. Je supprimerai donc le nombre d'abonnés, ça c'est sûr. Je vais bientôt avoir une intro. Enfin, bientôt, faut attendre un petit peu parce que le VX6 que j'utilise, c'est Idiams. Hein. On VX6 Idiams, il a beaucoup de demandes. Donc, il faudra que j'attende un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas grave, on fera sans intro. Quant à moi, bah, moi je vous dis salut. Normalement, il y aura, dès que je sortirai cette vidéo, il y aura une nouvelle bannière faite par Idiams. Donc, moi je vous dis salut, portez-vous bien. J'espère que cette annonce sera plutôt bien pour vous. De toute façon, je vois pas trop. Peut-être juste qu'il y a un peu moins de vidéos, mais au moins ce sera de la meilleure qualité. Et puis, moi je fais pas mes vues donc. Franchement, si j'avais pas fait ça, j'aurais arrêté ma chaîne, les mecs. Hein. Franchement, là, moi, ça me démoralisait de faire 30 vues alors que j'ai 150 abonnés. Donc, voilà. Bon, bah, moi, je vous dis salut. Bonne fin de week-end à tous. Et puis, bah, portez-vous bien. Hein. Allez, on va prendre l'épée en diams. Allez. On va faire. Alors les petits trucs, non pas slime. Allez, squelette. Allez, salut les amis, salut. Ah et oui, j'ai changé de skin. Oh yeah. Et j'ai une cape off.